Et bien voilà les amis, si j'ai bon, nous sommes le 17 novembre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a Super Mario RPG qui sort sur Nintendo Switch. C'est donc le début d'une nouvelle série. N'oubliez pas de laisser plein le pouce vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et juste avant qu'on aille plus loin, je tenais à vous préciser quelque chose. C'est sûrement bien connu, mais Super Mario RPG, c'est un remake. C'est un remake du tout premier jeu de RPG Mario, sorti sur Super NES. Deux choses. Donc déjà, c'était bien avant les Paper Mario et Mario et Luigi. Donc il y a quelques petits trucs qui sont sûrement un peu datés, mais c'est pas grave, apparemment le remake il a vraiment, enfin ils ont vraiment bossé de ouf. D'ailleurs, petite anecdote, Paper Mario sur Nintendo 64 au tout début s'appelait Super Mario RPG 2, puis après pour des problèmes de droit je crois, ils ont décidé de l'appeler Paper Mario. Et autre chose, c'est la toute première fois que le jeu sort en Europe. Et oui, à l'époque il était sorti au Japon, aux États-Unis, mais jamais en Europe, donc le jeu était en japonais, en anglais. Et c'est tout je crois. Il y a eu un patch qui permettait de traduire le jeu si vous jouiez sur émulateur en français, mais c'est tout. Donc là c'est la première fois que ce jeu, Mario, qui est pourtant un grand classique, sort en Europe et est en français officiellement. Bon après il est sorti officiellement aussi en Europe sur la Super NES Mini, mais en vrai il n'était pas traduit. Donc ça compte aussi, mais bon c'était un peu en retard et il n'était pas traduit. Donc voilà, c'est la première fois qu'on pourra jouer en français. Bon les amis, hein, mettez au moins 1000 pouces bleus et let's go. Let's go, let's go, let's go. Comment c'est trop propre, mais attendez, mais... Ah non, mais me spoiler rien, enfin, moi je connais le jeu, hein. Oui, moi j'ai déjà joué au jeu, justement, sur la Super NES Mini, et j'étais allé jusqu'au boss final que j'ai jamais battu. C'est pas que j'y suis pas arrivé, j'ai même pas essayé. Donc, ouais, je sais pas, j'ai déménagé, j'ai rangé ma console, et je me suis dit, je continuerai plus tard, et j'ai jamais continué. Et donc voilà, maintenant c'est l'occasion d'y aller! Donc, on choisit niveau de difficulté facile, normal. Me dites pas que quand t'as terminé le jeu, tu débloques le mode difficile, pour recommencer. Bon, moi je joue en normal, j'ai même pas lu ce qu'il y avait. Ok. MDR, la transition pitch elle était sur le sol et scène d'après elle l'était plus. En tout cas c'est propre, c'est joli. Par contre c'est en 30 fps. C'est pas grave, un peu dommage par contre. Les drapeaux du château de Bowser, ils ont la même forme que le drapeau du Népal. Mais rien à voir j'imagine. Oh. Le jeu commence direct comme ça, hein. Vous n'avez rien loupé, c'est bien le premier épisode. Et donc tous les jours il y aura une nouvelle vidéo jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. J'ai vu d'ailleurs qu'apparemment il y a des nouveaux trucs dans le post-game. Je sais pas exactement quoi, mais on verra ça ensemble. Alors, objet, j'en ai pas, c'est normal. Attendez, Y c'était quoi déjà? Technique, et il y avait un autre bouton. Ah, on peut sauter. Ah, j'ai l'impression que la maniabilité est un peu différente. Eh mais comment c'est beau! Moi j'ai jamais trouvé Mario RPG beau, j'aimais pas trop la DA. Et après c'était peut-être impressionnant à l'époque, mais bon, moi j'y ai pas joué à l'époque, donc Eh? Quoi? Attendez, mais je peux les battre? Alors, objet, attaque, technique, piétine l'ennemi et puis et si j'attaque normalement, il se passe quoi? Fuite impossible! Vas-y, coup patrouilleur! Ah, faut appuyer sur A quand il y a le point d'exclamation. Un point d'expérience. C'est un coup patrouilleur! Attendez. Mais on peut pas avoir l'initiative? Par contre, le gars, il voit pas que je suis là. Il n'y a pas d'initiative, c'est possible, vas-y, et là. Oui! De toute façon, on le tue en un coup, mais c'est marrant quand même. Et la musique. Oh, coucou les deux coups patrouilleurs. Eux, ils m'ont vu. En même temps, vous m'étonnez qu'ils voient rien. Regardez. Et leurs yeux, leurs yeux sont bloqués. C'est un peu débile. Wouhou. Oh, ça fait une onde de choc et tout. On peut se protéger. Bon, bah, de toute façon, c'était un point de dégâts. Mais je pense qu'on peut se protéger. Il y avait un point d'exclamation. C'était sur le jeu de base. Hein. Je sais pas si toutes les commandes actions y étaient, mais il y en avait quand même quelques-unes sur le jeu de base. Oh, oh. Je peux sauter dans la... Je peux pas. J'ai essayé et là. Par contre, ça lag de fou. C'est bizarre, hein. Après, il y a beaucoup d'effets et tout, mais bon. La Switch, elle crache tes poumons là. Oh, oh. Peach! Elle est juste au-dessus. Mais attends, mais il regarde sa culotte là. Oh là 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 là. Vas-y, Mario, saute. T'es le pro du saut. Tu peux le faire, ce saut. Mais oui. Mais oui. Vas-y, Bowser. Ne laisse pas Bowser te faire du mal, Mario. Wouhouhouhou, ton heure a sonné. Technique peut-être quand même. Attendez, donc j'ai appuyé sur A juste avant l'impact. Donc pas comme ça en fait. Mais j'arrive pas à me protéger. Vas-y.
Ah mais j'ai réussi ou pas? Oui! Ah, et on reçoit zéro dégâts. Mario, la chaîne! Vise la chaîne! Vise la chienne, tu voulais dire, non? Le champdelier. Ah mince. Ah d'accord. Oh! Il est sérieux? Mince! Je fais que de louper. Oui, mais oui, je suis trop fort. Bon, après, faut un peu le faire exprès, j'imagine, pour perdre au premier combat. Mario, la chaîne vise... Mais je sais, Peach! Est-ce que je peux viser Peach? Non. Oui! Tu peux rien contre moi! T'arrives même pas à rayer ma carapace! Haha, mais toi, tu me fais pas de dégâts alors que moi, je t'en faisais! T'es trop nul, Bowser! C'est fini? Ah oui. C'était quoi, ce bruit? Oh oh, non! Mais pourquoi il a accroché ses chandeliers avec ça? C'est une réaction en chaîne! Accroche-toi, chandelier! Effectivement, c'est le cas de le dire, c'est une réaction en chaîne. Serre les dents! Surtout, ne lâche pas! Mais sinon, tu sautes sur mon chandelier, non? Wouh! Adieu, Bowser! Le combat de Bowser le plus rapide! Mario, tu vas tomber avec moi! Ah! Tiens bon, Mario! Accroche-toi! Oui, mais non, mais accroche-toi, mais va sauver Peach! Cette fois, c'est la bonne! Mario, tu vas mourir! Attendez, on était si haut que ça? Je suis pas sûr qu'on était monté si haut que ça, mais si vous voulez... Oh, il pleure! Bon, tu pensais vraiment pouvoir me reprendre Peach aussi facilement? Tu te mets toujours en travers de mon chemin! J'en ai assez! Fais tes prières, Mario! Ridicule! Trop nul, le Bowser! Allez, Mario, sauve la princesse! Ou pas? Ah si! Oh, Mario, j'ai eu si peur! Ne restons pas là! Le château, il tremble! Eh ouais, en effet, il y a un petit problème là. Les cinématiques sont vachement propres quand même. C'est vachement beau. Adieu Mario. Oh. En plus, il y a la petite sauvegarde automatique. Aujourd'hui, c'est un peu normal. Mario House. Et donc même pas Luigi. Est-ce que Luigi sera dans le jeu? Il était pas dans le jeu de base. Peut-être qu'ils vont l'avoir ajouté, j'en sais rien. Ça aurait été bien qu'ils l'ajoutent en perso jouable, mais ça... J'y crois pas en vrai. Bah, où est Mario? Mario, dis, le concept de porte, tu connais? Généralement, c'est par là qu'on entre chez soi. C'est ma maison, je rentre par fichtre où je veux! Comme elle est un peu en retard, je suis venu chercher la princesse Peach. Il a l'air un peu écrasé, le Toad, là. Tout, 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 je me lève. Mais les yeux bleus de Mario, il est trop beau, Mario! Trop, trop beau. Dommage que je sois pas célibataire, hein. Sinon, je serais sorti avec... Hein? C'est comme ça qu'il dort sur son lit, et il va sur son lit avec ses chaussures! T'es dégueulasse, Mario. Alors, il se couche sur son lit, d'une certaine manière, et il se réveille sous la couette. Écoutez, c'est de la magie de Mario, hein. Alors, on a des petites casquettes de rechange, on a notre salopette de recharge. Mario, ne fais pas... C'est chez lui, il fait ce qu'il veut, hein. En vrai, s'il veut faire ça, il peut, hein. Il y a d'autres trucs qu'on peut faire chez soi? Une caisse... D'accord, ok. Bon, Toad, la Peach, elle est un peu dead. Non, mais on sait pas où elle est. Je sais pas, moi j'explore tout, hein. Je veux des secrets. Mais on dirait qu'il y en a pas. C'est trop beau. Waouh. Quoi? La princesse n'est pas avec toi? Mais où elle est alors? Ton silence ne me dit rien qui vaille. C'est Bowser, c'est ça? Encore lui? Mario, tu veux bien aller la secourir comme tu sais si bien le faire à chaque fois? Mais c'est pas Bowser cette fois. J'ai oublié un détail important, Mario. Si tu tombes KO, tu te réveilleras au dernier endroit où tu as sauvegardé. Mais tu sais quoi? Quand tu passes d'une zone à l'autre, ton aventure est sauvegardée automatiquement. Pratique, non? Comme ça, quand tu perds un combat, tu ne perds pas beaucoup de ta progression dans le jeu. Merci. Et il va très vite, hein. Si tu ne veux prendre aucun risque, tu peux aussi sauvegarder toi-même en sautant sur ce bloc, comme au bon vieux time. C'est pas mal quand tu veux faire une petite pause aussi. Hop, tu sautes sur un bloc de sauvegarde. Voilà, je crois que je t'ai dit le plus important. À toi de jouer maintenant, rends-toi vite au château de Bowser. Ils sont pas très beaux les blocs, et ils sont très LGBT, hein. Bah... Allez, petite sauvegarde.
qui joue déjà 8 minutes. C'est quoi les frog coins? Il y a des pièces grenouilles, je sais pas ce que c'est, j'ai oublié. C'est pour plus tard. Je me souviens pas trop. Ouais. Peut-être je dois aller au château? D'accord, ok. C'est un peu comme Color Splash en vrai, la progression dans le jeu. Mais ça dérange pas, c'était comme ça dans le jeu de base de toute façon. Ouais. C'est bizarre ce truc, hein. Ça a l'air très menaçant. Et il a grave peur, Mario, là. Halt! Qui va là? Un intrus! À partir de maintenant, ce château appartient à la bande de Forge Roi! Le Smithy Gang s'appelle maintenant Forge Roi. Nous avons de grands projets. Ce n'est que le début. Sans les fouineurs de ton espèce, nous serions déjà les maîtres du monde. Bon, mais j'ai presque rien fait. Voyons voir ce que tu réponds à ça. Oh oh. Ah. Ah bah maintenant on pourra plus s'approcher. Ah mince. C'est un petit problème là. Ça sauvegarde vraiment souvent. Hein. Le jeu il veut pas être dur. Hein. Même à l'époque c'était pas dur. Hein. J'étais jamais mort. Enfin à l'époque j'y ai joué il y a 6 ans. Hein, mais bon. Quand il est sorti sur la Super NES Mini. Donc je sais plus quand. Mais c'était il y a pas si longtemps que ça non plus. Hein. Quoique ça commence à dater. Mais la Switch existait déjà. Hein. Je dois revenir à la maison de Mario. Ok. Qu'est-ce qu'il a le Toad? Si tant est que le Toad est là. Bah. Toad? Ah, coucou. Tu rentres déjà? Tu as oublié quelque chose? Non? Que s'est-il passé alors? Mais il est trop bizarre le Toad. Ah! Mario qui fait son petit mime. J'ai tout à fait compris. Sans le contexte, j'aurais pas compris moi. Le pont qui mène le château de Bowser est détruit? Merveilleux. Il faut prévenir le chancelier du château champignon sur le champ. Allons-y Mario. Par contre, Mario, j'ai l'impression qu'il ressemble grave au Mario de Mario Bros. Wonder. Et c'est pas du tout une critique. Attendez! Il y a un truc qui est apparu quand je bougeais pas. Oui? Ah, menu. Oh! Allié. Assist Toad? Quoi? Eh? J'ai pas compris. Ok, c'est les persos, sauts. Comme ça, on améliore notre saut. Oh, j'aime trop ce genre. Il y a un bestiaire. Il y a un freaking bestiaire, c'est trop bien! Oh là là, comment je vais passer du temps sur tous ces trucs? Ou par contre, ça met du temps à charger. Hein. Ouais, bon, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Système. Ouais, normal, et ok. Oh, quoi? Qu'est-ce que t'as? Oups, je suis désolé. Oh, la bosse que je viens de te faire sur la tête t'a fait perdre des PV. Un champignon, et il n'en sera plus rien. Merci. Quand tu as besoin de récupérer quelques PV, il te suffit d'appuyer sur X. Rien de tel qu'un champignon pour retrouver la forme quand tu es un peu fatigué. Un Toad m'a blessé. Pourquoi j'étais si pressé, moi, déjà? Ah mais oui, je voulais te prévenir que le chemin champignon grouillait de monstres. Il faut que tu fasses quelque chose, Mario. Je peux peut-être t'aider. Tu as déjà entendu parler des actions coordonnées? Non. Je vais tout t'expliquer. On va faire un combat ensemble, ce sera plus pratique. Bah, c'est appuyer sur le bouton A au bon moment, c'est ça? La musique. Combattre, c'est aussi une question de coordination, le timing est important. Vas-y, appuie sur A. Attaque, et là, voilà, stop! Maintenant, tu appuies sur A juste au moment où l'attaque touche l'ennemi. Wow, super timing! Quand c'est réussi, l'attaque inflige encore plus de dégâts! Si tu appuies sur A au bon moment, l'attaque touche aussi les autres ennemis. Et là, tu peux aussi appuyer sur A quand les ennemis attaquent. Vas-y, essaie! Let's go! Super timing! Quand le timing d'une action coordonnée est bon, tu ne subis plus pas de dégâts. Ceci dit, si l'attaque est dirigée contre toute l'équipe, c'est totalement inefficace. D'accord. Essaie d'utiliser une technique spéciale maintenant. Vas-y, appuie sur X. Saut. Et donc là, c'est à quel moment? D'accord. Maintenant, tu appuies sur A. Ça lui a fait très mal. Nickel. Selon la technique que tu utilises, parfois, il faut faire plus qu'appuyer sur un bouton. Surveille bien les instructions à l'écran. Encore une chose. J'ai toujours mon PV perdu. Hein. La jauge d'action se remplit un peu à chaque action coordonnée réussie. Et quand cette jauge d'action arrive à 100%, tes ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Tu verras, ça vaut le détour. Au fur et à mesure que tu réussis tes actions coordonnées, ce nombre augmente. A partir de 2 actions coordonnées réussies de suite, un boost s'active. Dans ton cas, Mario en gagnant... en puissance, ta jauge d'action se remplit plus rapidement. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de tout retenir. Si tu veux un petit rappel en combat, appuie sur B, choisis Aide. En dehors des combats aussi, c'est possible. Tu peux sélectionner Aide dans le menu. Merci, petit Toad. Comment je regagne des fleurs? Pense-y. Non, mais je vais y penser, t'inquiète. Et mon XP? D'accord. C'était tout. Tu es paré maintenant. Les monstres n'ont plus aucune chance. Pourquoi j'étais si pressé, moi, déjà?
Ah mais oui, il faut prévenir le chancelier à propos de Peach. Il a Alzheimer ou quoi, Stod? On se retrouve au château champignon. Prends ça, juste cas où. Merci. Pourquoi il m'a pas donné les 4 dès le début? Quel bizarre le gars. Hein. Alors, on a une petite zone tampon, le chemin champignon. J'imagine qu'il va y avoir des ennemis à battre ici. Ah mais oui. Mais pourquoi il m'attaque pas direct? Mais c'est bizarre de pas avoir d'initiative. C'est vraiment très bizarre. Hein. Oui. Yes. Et en plus, comme j'en fais plusieurs de... Mince. Quand on fait plusieurs de suite, tu gagnes du score en bas. Enfin, plus. Mais après, moi, j'ai loupé la protection, donc... Mais attendez, 2 points d'expérience? Il m'en faut combien, là? C'est marqué où, déjà? Il en faut... Encore 10? Ou 10, tout court? Je sais pas. Oh, c'est 9 de Yoshi, là-haut? Par contre, les combats sont rapides. Surtout, vu que... On a ce truc-là... Oh là là. Ah, mince. Yes! Ah, mais là, par contre, j'ai pas protégé tous mes dégâts. Oh, mince. Mais je suis trop nul! Oh yes, merci! Wouhou! J'ai envie d'arriver à 100 là! Moi je veux arriver à 100! Ah mais oui! Mais j'ai vraiment bientôt XP là après lui! Mais il y a beaucoup d'ennemis là par contre! Hein. Vas-y! Wouhou! Là, on XP! Mais non! En fait, j'appuie trop tôt! Je suis trop nul! Yes! Quoi? Ah, c'était nouveau ça! Comment... Oui, presque vaincu. Ah, ça, c'est pratique d'indiquer ça. Yes. Yes. Non. Comment ça? Ah non, donc il en restait. D'accord, ok. Oula, oula. Bah ouais, mais non, mais il y avait le bloc. Paratroupa. Vas-y, technique. C'était sa faiblesse en plus. Tous les monstres ne sont pas sensibles de la même manière aux différents éléments. Essayez de tirer parti de leur faiblesse pour leur infliger un maximum de dégâts. Et là, on XP. Mais non, il donne que 1. Ok, et là... Oh là 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 là. Non mais il faut que j'XP là. Après le jeu n'a pas l'air si difficile donc je sais pas si j'ai vraiment besoin d'XP de ouf. Mais bon. Par contre si vous me re... si vous me redonnez énormément d'XP à chaque fois... Enfin genre c'est bien mais c'est un peu trop pété non? Mais non! Bon c'est pas si simple que ça quand même les amis. Non mais... On dirait j'ai fait exprès. Et en plus on les perd vite nos PV hein. Oh yes! Alors, j'ai gagné des PV, de l'attaque, de la défense, de l'attaque magique et de la défense magique. Je peux augmenter quoi? Mon attaque? Mes PV? Ou ma magie? Mario, c'est peut-être mieux qu'il ait beaucoup de PV, non? Ah, c'est pas un soigneur, hein. On va augmenter l'attaque et la défense, vas-y! Comme ça, en plus, je prendrai moins cher. Voyons voir. Faisons la différence tout de suite. Ah ouais, mais le saut, c'est de la magie? Donc, en vrai... Est-ce que je peux l'avoir comme ça? Ah, mais ça fait quasiment rien. Oh, mais ils nous font quasiment pas de dégâts. Yes! Vas-y, pourquoi il attaque pas? Je suis plus rapide que lui, c'est pour ça? Bon, en tout cas, c'était rapide. Et j'ai déjà 5 PV de plus qu'avant. C'est vraiment trop bien. Mais qu'est-ce qu'il... C'était le Toad? C'était peut-être le Toad. Hein. Ah, ça tue toujours pas les deux. Mince! En fait, la commande action, elle est plus difficile à faire que dans les Mario Luigi. Hein. Mais ça viendra. Et on est à la moitié du truc en bas. Hein. Piou! J'ai vu ma vie défiler devant moi. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Oh, ça donne des points de magie, je pense. Peut-être que on a eu les pièces max l'autre fois. Hein. En tout cas, ce petit chemin champignon était... Bah, pas fini, en fait. Ok, c'est quoi, ça? Les objets de type fleur augmentent votre max de PF de façon permanente, ce qui vous permet d'utiliser plus de techniques. Une bonne raison pour les consommer sans attendre. Ah, mais c'est remis là. Ah! Ok, il m'a surpris, bref. Yes! Ok, j'avais perdu 2 PV, hein. Yes, 3 de suite. 4 de suite. Comment je suis trop fort. Je vais éviter le paratroupa parce que, genre, eux, ils me font un peu peur. Enfin, en vrai... En vrai, j'aurais pu, hein. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je dois le sauver, le Toad, ou pas, j'imagine. Donc là, je suis obligé. Mais... C'est capricieux, hein. Yes. Non. Oui, 6 de suite. 7 de suite! Ah mince! Ah bah ce sera mon max. Attaque-moi toi! Ouf! Et là, 2 de suite? Yes! 2 de suite! On est déjà à 76%! On est trop fort! Bon alors. Ah, c'est le bouton B? Ok. Oh! Attendez, mais d'ailleurs, mes objets là. J'ai eu le de fleurs, augmente de 1 le nombre de PF max. Peut-être pas que je les utilise tout de suite ces trucs là. On verra plus tard. Et là, c'est la même. Sirop de vie.
Je sais pas ce que c'est. Bon, mais normalement, si j'attaque correctement, je peux les finir en deux tours, non? Y'a moyen. Ok. Et depuis quand les Goombas, ils envoient des épines? Ah! Vas-y. Ok. Et... En plus, tu gagnes 0% si tu y arrives pas. C'est vraiment pas très gentil, hein. Wouhou. Non, mais toi, on s'en fout. Peut-être que je vais le tuer après, hein. A voir. Coucou! Coucou! Il va me jeter le tot dessus. Bon, l'attaque, ça devrait le faire quand même, normalement. Ben oui, il a pas beaucoup de vie, j'ai pas besoin de dépenser des fleurs. Surtout que j'en ai plus énormément des fleurs, hein. Donc, ouais. C'était moins une. Tiens, pour te remercier. Gélule de fleurs. Ok, merci. Mais pourquoi à quoi sert de voler si t'es si près du sol, mon ref? Ça ne sert à rien du tout. Non, mais vraiment. Je peux vraiment me permettre parce qu'ils sont tout seuls, donc... Elle est trop bien, la musique. Bon, quoi? Ok, elle est malade. Elles sont malades. Coucou. Bah. Ah! Ok. Il attendait le bon moment, le gars. Vas-y. Wouhou! Mais je vais bientôt avoir chargé au max! Là, d'ailleurs. Oui! Bah, au prochain combat, on verra quoi faire. Mais là, je crois qu'il n'y a plus de combat ici. Donc, en fait, on saura pas. Y'a rien? Non, bah, écoutez. C'est peut-être la fin de la zone. Eh bah, non. Il va y avoir un boss. Y'a moyen. Oula! Et ils sont trop bizarres, les Eris, ici. Est-ce qu'on peut l'attaquer, le là qui tue? Comment on fait? Genre, il est trop haut? Bon, j'imagine qu'on... Ah! J'ai tout skippé. Hé! C'est moi que tu regardes! Mon marteau et moi, on n'aime pas ça! Mario, fais attention à toi! Il est super fort! C'est le boss? What? Ah! Je suis pas obligé! D'accord. Attendez, y a pas... Mais alors, là qui tue, on peut pas l'attaquer, en vrai. Je suis à combien d'XP? Dans 16? Bon, on va aller combattre le boss. Quoique, eux, j'en ai battu aucun, donc vas-y, essaye. Assistod, on fera ça contre le boss. Vas-y. Ok. Il va faire quoi comme attaque, là? Oh, bah ça, c'est facile, on connaît. Mais en fait, tous les ennemis ont la même attaque, ou quoi? Ok. Yes! Mais oui, mais ça sert à rien que j'arrive. Parce que de toute façon, je gagne pas de pourcent. Bon, le lac qui tue, ça me perturbe, hein. Reviens! Ok, il veut pas descendre, il a peur de moi. Toi, tu marches dans le mur. Hein. Bon, coucou, toi. T'es énervé, t'as énervé mon marteau, tu vas me le payer. Comment il maintient le Toad? Oh, oh. Ah, mais on m'avait pas prévenu. Et donc, il se passe quoi, là? Toad, à coup, pour vous aider, qui sait ce qu'il va vous concocter? Ouais. Je dois arrêter? C'est quoi, ça? Coquille d'œuf. Ça me protège? Ah yes! Ça me consomme mon tour, ça, ou pas? Ah! Bah, c'est fini, en fait. Ah, fallait que j'appuie plusieurs fois sur le bouton? Je crois. Je... Comment ça, rater? Aïe, aïe, aïe. Bon, ils font pas beaucoup de dégâts, mais quand même... Mais! J'arrive à me protéger, ou pas? Je suis pas sûr, hein. Je sais pas si je dois appuyer plusieurs fois. Là, par contre, je comprends pas. Ok, un de moins. Oh, toutes les pièces. Oh, let's go. Comment ça, résilience? Il est pas content parce que j'ai tué son frère? Vas-y. J'ai loupé, j'ai loupé. On refait? Ouais, on a de quoi faire. Hein? J'ai appuyé qu'une fois et ça a l'air de suffire. Vas-y, faut qu'on y arrive, là. Bref, ça m'aurait mis plus de tours que si je l'avais juste tapé normalement. Je suis trop nul. Ouh, bac à fleurs? Pourquoi? Merci Mario, j'étais tellement pressé d'aller faire mon rapport au chancelier que je n'ai pas été très prudent. Le château champignon est juste un peu plus loin, on y est presque Mario! Mais ils ont laissé un marteau? Oh, Mario, tu reconnais ça? Oula, il a du mal à le soulever. Il y a l'emblème des frères marteaux dessus! Avec ça, aucun ennemi ne te résistera! L'aventure, c'est des rencontres, mais aussi des trouvailles. Celle-ci vous sera sûrement utile. Vous avez ramassé marteau. Ça marche comment, alors? Allez, hop, on se voit au château champignon. Ça doit être juste à côté. Par contre, ouais, j'ai plein d'objets, je sais pas ce que c'est. Donc, augmente le nombre de PF max. Augmente de 3 le nombre de PF max. Comment? Comment j'utilise? Alors, comment on appuie sur X? Ah oui, ok, c'est pas ça. Attendez, attendez, attendez. Donc, en fait, je dois faire X... Et là, bac à fleurs. Bah, en vrai, on a l'air d'en avoir beaucoup, donc je peux toutes les donner à Mario. Non! Et ça marche comment, le marteau? Vas-y.
On peut pas te donner de coup de marteau? Pas sur la map en tout cas. Bon vas-y, ça marche comment ce truc? Je peux pas choisir? Hein? Hein? What? Les amis, je n'ai pas équipé le marteau. Donc bon, faut pas que je sois si débile que ça en fait. Je peux ou pas? Non. Bon bah après ce combat... Yes! On les tue tellement rapidement maintenant! Mais l'assistote c'est vraiment pratique hein. Alors vas-y, équipement, arme, marteau... Là j'ai rien. Ouais j'ai rien. Vas-y, faut qu'on en tue un. Ils sont où là les petits hérisses moches? Est-ce qu'ils s'appellent vraiment des hérisses? Mais jette-en! Mais... Ok. Ah voilà, tu pars et tu reviens et c'est bon, ils t'en donnent des hérisses. Mais tous les ennemis sont aveugles ou quoi? Alors... Ok! Maintenant le marteau, il peut toucher l'ennemi qui vole. Ok, on va voir ça tout de suite. Eh bah oui, sans problème. Merci pour toute cette expérience. Bah, bientôt, je vais monter niveau. Je vais pas farmer ici à l'infini, hein. Le jeu est pas très difficile, donc tout de même, ce serait abusé si j'arrive au boss du final en étant genre niveau 300. Et voilà, le château champignon. Il ressemble plus trop à ça maintenant. Ça fait vraiment musique, genre Final Fantasy. Alors, oh, ils ont fait des champignons originaux, enfin comme dans, enfin des Toads originaux comme dans Mario RPG à l'origine en vrai. La princesse Peach est introuvable. J'espère que ce n'est pas encore un coup de Bowser. Est-ce qu'ils donnent des objets les gens quand tu leur parles tous? J'ai un peu la flemme quand même. Ouais. Ton frère m'attend? Hé! Arrête de faire ça! Écoute tes parents, qu'est-ce qu'il y a là? 1, 2, 3! Si je m'entraîne assez, tu crois que j'arriverai à sauter aussi haut que toi, Mario? Dans tes rêves? Merci, hein! Non, vas-y, vas-y. Et comment? Youpi! Hein? Mais attends, mais t'as pas de truc à me donner? À quoi ça sert, ça? À rien? Eh, mais attendez! Cette musique, elle est pas dans Course à la Fortune? Cuisiner, faire le ménage, je ne fais que ça! Ah, désolé. Miam, miam, scrunch. Et lui, il fait que de bouffer. D'accord, bah, famille hétéro classique, quoi. Hein. Et Mario, tu veux bien me montrer ton super saut, dis, s'il te plaît? Vas-y, Toadette. Ouah, trop bien! Enfin, c'est Toadette à l'ancienne. Mais c'est tout? Et y a pas de cadeau? Bah... D'accord, ok, merci. Mario, tu ne devineras jamais. Moi et moi, on va se marier. Est-ce que tu connais un bel endroit où se marier? Mais j'en ai rien à faire, je peux sauter sur le lit des gens. Oula, 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 du calme, du calme. Dis Mario, quand je serai grande, je pourrais être dans ton équipe. Si Bowser passe par ici, tu peux compter sur moi pour lui tirer joliment la langue. Ouais, on verra. J'espère que ma petite fille sera aussi sage et bienveillante que la princesse quand elle sera grande. Il paraît qu'il y a un type louche qui rôde dans le coin, alors je surveille. J'espère que c'est pas moi le type louche. Donc ça, c'est un magasin. Vas-y, qu'est-ce que vous vendez? Oh Mario, quelle bonne surprise, le petit-fils de Batra... est censé passer me voir aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore vu. Oh, tu as des courses à faire, très bien. Tu cherches quelque chose en particulier? Acheter, champignon, sirop de miel, rincette. Rince les altérations d'état en combat? Ah ouais? Salopette ordinaire, ou caleçon ordinaire? Mais j'ai déjà, non? Chaussures de saut, permet de sauter efficacement sur tous les types d'ennemis. Protège contre les dégâts de poison. Ah ça, c'est pas mal. Vas-y, équipe, comme ça je peux sauter sur tous les ennemis. Très bien, et salopette ordinaire, vas-y, je gagne de la défense. Par contre, j'ai surtout perdu beaucoup d'argent. Et je peux revendre mes anciens... Mais j'avais pas d'ancien équipement. Genre... Ah ouais, dommage. En tout cas, moi, je le vois pas, le mec louche. Bon, c'est quoi, ça, comme boutique? What? Si tu te reposais... Ah, c'est une auberge. Non, 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 non. J'ai pas besoin. Bonne chance, Mario. Et on peut pas se soigner en allant là-dessus, je pense pas. Il joue à la Game Boy? Laisse-moi tranquille. Ah, super. On dirait moi quand j'avais son âge. Je ne dors pas tout le temps, tu sais. D'accord, bah je pense qu'il va être tout le jeu ici en train de dormir, mais bon. Non, faut qu'on dorme à l'auberge parce que des fois... Enfin, à l'origine, il y avait des easter eggs quand tu dormais. Tu pouvais te réveiller à côté de Link. Mais là, je sais pas s'ils vont le faire. On dirait que ça a été retiré ou alors c'est pas cette auberge. Bah, en tout cas, la capitale du royaume champignon, elle est pas très très grande. Hein? Toi aussi, tu te cacherais si tu t'étais retrouvé nez à nez avec ce crocodile. Quel crocodile? En vrai, je sais. Mais on peut pas le voir? Genre, il est nulle part? Hein? Ah non, c'est pour parler à lui. Et Mario, dépêche-toi, le chancelier attend. Mario, dépêche... Oui, d'accord, ok, merci. Pas la peine de se répéter. Mario, tu es là. Je vais prévenir le chancelier. Je t'attendrai au fond du hall. Donc en fait, le chef
du royaume champignon, c'est pas la princesse, c'est le chancelier, ok. Eh bien les amis, nous on va rester là pour cette vidéo de Super Mario RPG, le premier épisode de la série. Dès demain, comme je l'ai dit, c'est la suite. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et donc, eh ben, à demain. Salut !